Salut, on est jeudi. J'ai mis énormément de temps à me maquiller parce que je faisais n'importe nawek. il est très tard là. Il est 8h08, je suis même pas partie. Donc voilà. j'ai un peu du mal. J'ai un petit peu trop fatiguée comme d'habitude. Donc voilà. Au niveau du calendrier, j'ai eu donc un rouge. Le produit Rennes, ça j'ai jamais testé donc c'est cool. Un crayon plutôt gris chez Kiko et une huile Clémentine avec plein d'huiles différentes pour en sérum de la marque Mira, je connais pas et ça a l'air sympa. Voilà. h 45, je suis toujours pas arrivée. On va laisser 5 minutes là, mais c'est vraiment une sale tête aujourd'hui. Hein. Ça va pas. Donc j'enlève, c'est le ananas. Et du coup, je le trouve foncé. Je pensais pas du tout à cette couleur. Enfin bref. Apparemment, j'ai pas dû le préciser, mais je pars chez ma soeur en week-end pour le week-end de Noël. Donc juste le week-end, et j'ai posé que le 23 dans le sud, hein, chez ma soeur. Comme j'ai pas mal de questions sur Instagram et tout pour me dire si je bouge à Noël, je me dis mais j'ai pas dû le dire. Ou alors je l'ai dit mais ça c'est pas... Je sais pas, vite fait peut-être. Donc oui voilà, je pars, j'ai posé que le 23, malheureusement le 24 il était imposé et c'est fermé et voilà quoi. Malheureusement j'aurais voulu prendre plus mais bon, j'ai pas pensé qu'à moi et puis les autres ont posé et puis bah je me retrouve sans vacances et maintenant c'est trop tard. Et c'est pas grave, c'est pour mieux poser en début d'année. Voilà. Je sais même pas quelle heure il est, je suis rentrée à pied, je suis épuisée. J'ai les chaussures, ils m'ont fait des cloques. J'ai mal, j'ai une sciatique à la jambe, à la fesse et tout. Oh là là. Là, je vais aller chez Picard parce que j'ai rien à manger. Et évidemment, j'ai la flemme. Donc, je vais me faire Picard. Je vais me chercher un ou deux plats rapides. Du coup, j'ai fait rapide, j'ai pris la purée de carottes, lentilles, corail, lait de coco. J'aime bien les purées, elles sont trop bonnes. Je me suis pris un petit plat pour les jours de grosse flemme, le poulet au curry au lait de coco du Audry. Je le prenais avant à l'ancienne, quand je travaillais chez Picard d'ailleurs. Je mangeais toujours celui-là, j'aimais trop. Donc voilà. Et puis, j'ai pris des aiguillettes de cabillaud. Voilà, bien, bien. Repas Picard au top, voilà. Hello les gens, 7h56, je suis pas de bonne heure encore aujourd'hui. J'ai mis mon réveil à 6h30, mais je me suis réveillée à 7h. Les grands yeux comme ça. J'ai dit oups, ça va à 7h. Je devrais le mettre à 7h parce qu'au final, je me suis couchée tôt, mais j'arrive pas à rattraper le sommeil qui me manque. Et encore, là, vous me voyez maquillée. Donc ça va, mais j'avais une tête ce matin, je suis de plus en plus bundle, des yeux gonflés. Calendrier, c'est pas ouf. C'est... En vous montrant, ça sera mieux. Donc le chocolat, c'est celui-là, ça va encore. Le marron, cette semaine, je l'ai jeté tellement il était chelou, j'avais l'impression qu'il était moisi. Donc laisse tomber. Dentifrice à croquer, ça peut dépanner, c'est pas mal. Alors ça, c'est une lotion à main incisante apparemment. Ouais, ouais. Et puis des barrettes chez Kiko. Voilà, c'est pas... Folichon, folichon. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du catédrier parce que bah, je me suis plantée. Je pense que j'avais compté pour pas faire les week-ends ou un jour sur deux. Je sais pas comment j'avais géré. J'ai eu un doute pendant un moment à me dire, vas-y, bah, complète les jours qui manquent. Et puis au final, non, c'est trop compliqué. Puis j'ai déjà beaucoup donné, donc là, c'est quand même chaud. Et ça va faire une semaine comme ça de pause et le gros que j'ai, je garderai, enfin le gros c'est une boîte avec plein de choses dedans, je garderai pour le 23, le 24 et tout comme ça, voilà. Et moi ça me permettrait de gérer un peu tout et de redescendre un peu parce que c'est du taf tout ça. Donc voilà, je me suis maquillée assez simple, je crois que je me suis trouvé un nouveau go-to. Un nouveau maquillage quand je sais pas quoi faire, voilà, je fais ça. Je le peaufine encore et peut-être je vous ferai une vidéo ou pas, je sais pas. J'essaye de finir ce truc, mec. Ça y est, on arrive sur la fin. Donc, il est encore pire. Voilà, les cheveux, j'ai... Ah, je me suis lavé les cheveux hier. Révolution. Et ah ouais, j'ai essayé un shampoing.
J'avais un échantillon d'un shampoing qui traînait. Je me suis dit, vas-y, je vais tester. Ah, le truc! Archi liquide. Déjà, au début, ça ne moussait pas, mais je crois que j'avais tellement les cheveux crades et tout. Après, ça a un peu moussé. Mais l'odeur! Oh, c'était une odeur, mais de menthe sauvage mélangée à d'autres trucs. J'ai pas réussi. C'est comme si c'était une miniature. Regardez ce qu'il y avait vraiment dedans. C'était horrible. C'était horrible. Donc voilà, ils sont mi-bouclés, mi-pas bouclés. Bouclés mytho. Et j'ai rien mis dessus, j'ai pas mis le truc. Ils sont encore un peu humides, je devrais peut-être faire quand même. Attends, oh, j'ai l'impression qu'ils sont mal rincés ou mal lavés en fait, tout simplement. Et c'est possible que ce soit le cas puisque j'ai essayé de les laver rapidement avec ce shampoing, mais comme là ils sont encore un peu humides, faut que je me presse parce que j'ai pas beaucoup de temps de travailler ce matin parce qu'on a une réunion après de 10h à midi là. On va encore s'en prendre plein la gueule, je le sens. Pour nous donner des attitrés et des nouveaux portefeuilles avec tous les départs qu'il y a eu. Je sens que ça va être tendu. Ouais, je vais mettre un peu la gel quoi. Je suis à la bourre, hein, mais la meuf a continué à se coiffer, elle fait la belle. Ça sent bon. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a dit que ça sentait pas bon. Ça sentait le vomi. Il doit être périmé parce que ça sent le bonbon. Oui, ça sent le bonbon. Vous savez que moi, les odeurs, c'est compliqué. Hein. Et là, non, non, ça sent le bonbon. Voilà, on verra bien si ça reste encore un peu. Si ça reste un peu humide. J'en ai pas mis trop derrière, je vois pas ce que je fais. Ça me rappelle quand j'étais petite et qu'on mettait de la mousse sur les boucles, là. Qui faisait ça? On mettait de la mousse. Pshhh, après, ça, les cheveux, ils étaient. Enfin, ça marchait, hein, mais les cheveux, ils étaient cartonnés. Oh, c'était horrible. Je le ferai jamais maintenant. S'ils peuvent rester comme ça, c'est pas mal. C'est pas trop, trop mal. Je vais faire couler mon café parce qu'hier, j'ai pas pris le temps de le faire. Et franchement, se taper le café dégueulasse dès le matin. L'après-midi, à la rigueur, je peux supporter, je le bois à la moitié, même pas. Mais le matin, je peux pas. Il est vraiment pas bon. Donc, du coup, le rouge à lèvres hier, il a pas tenu pareil le très rare. C'est franchement, c'est ça tient pas. Et les crayons, je trouve qu'ils tiennent pas plus non plus. Donc, ça soit l'un, soit l'autre, voilà. Là, je vais mettre le crayon plutôt rouge orangé. Rouge orangé, oui, c'est ça. Et on va voir ce que ça donne. Il avait l'air de bien tenir la première fois. C'est celui qui a tenu le plus longtemps, je trouve. Limite, je suis en train de me dire, en fait, il va parfaitement avec le NYX, en fait. Enfin, le NYX, c'est un peu plus clair, mais. Bon, enfin, je pense que je vais le mettre par-dessus. Peut-être que ça va tenir encore. Parce qu'il tient bien le NYX, au fait, hein. Mais. Non, bon, on va pas mettre. Je vais garder avec moi le crayon au cas où, mais. Pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Mais vous voyez, comme j'ai du mal à remplir. Parce qu'il est vraiment sec par rapport aux autres. Et je crois que je vais faire comme la dernière fois. La dernière fois, j'ai mis du labello par-dessus. Du labello. C'est pas du labello, mais voilà. Du baume. Et ça, du coup, ça a bien tenu quand même. Bon, là, je vais mettre le petit masque à neige. On va faire ça. On va essayer. Et voilà, c'est vraiment la couleur. Et en plus, c'est pas du sans transfert, vous voyez, mais il a vachement bien tenu. Ah, ça déborde, ça commence. On va essayer comme ça, on verra bien. Après, je continue à tester parce que c'est vrai que je me regarde pas. Oups. Je me regarde pas en ce moment au taf. Hein, je vais pas aux toilettes et tout. Je prends pas le temps. Je me lave les mains. Je regarde même pas. Je pense pas en fait. Du coup, je vois pas comment ça évolue en fait. Est-ce que ça part d'un coup ou pas? Je pense, hein, mais je mets toujours le même. Le même. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Le même parfum, je l'aime bien. J'ai l'impression qu'il tient pas forcément, mais. Ah, j'ai oublié de prendre des chaussettes! Je vous ai pas montré ma tenue, mais j'ai mis le même jean qu'hier. Je sais, c'est bizarre, mais je l'ai fait. Pull blanc, col roulé bleu marine, voilà, pour aller avec le jean. Voilà, rien de ouf. Non, pas par là, Cathy. Hop, par là, prendre des chaussettes. Oh, punaise. Ah, le café, oh là là, j'ai du mal.
J'ai bien fait d'y aller à pied parce qu'il y avait un jeune qui était à l'arrêt de bus et là je le retrouve alors que moi j'étais à pied. Il a fait que quelques arrêts. Truc de fou. Hein, ouais. Partir tard, c'est horrible. Il y a tous les gosses sur les trottoirs. Enfin, c'est même pas les gosses, c'est les parents des gosses qui sont horribles. Le matin, ils ont cru que les trottoirs c'était leur mère. Je déteste partir tard comme ça parce qu'il y a tous ceux qui vont à l'école là. C'est horrible. En vrai, j'ai marché tellement vite. En plus, j'ai remis les chaussures d'hier et ils me refont mal en fait. C'est bizarre, quand je les ai mis au début, ils me faisaient pas mal. Enfin, je les ai pas mis beaucoup de fois, mais j'ai pas le souvenir que j'avais des cloques. Donc, je sais pas, c'est un peu grande. Du coup, je flotte dedans comme ça, je pense. Ouais. Allez, j'espère que je vais pas attendre trop le train là. Ouh, j'en ai marre. C'est vendredi. Ouh. Alors j'avais oublié, mais on devait partir avec les collègues en petite soirée, resto et tout. J'ai complètement zappé. Donc c'est parti, on prend le RER et on va du côté de Saint-Michel. J'adore ce coin, c'est super joli. Et là, on découvre ce petit endroit, mais trop mignon. La déco, elle est magnifique. Et le serveur sort et dit que ça vient d'ouvrir. Et donc, on lui dit qu'on va revenir pour... et on réserve pour 3 personnes, parce qu'on va d'abord boire un verre. On voit 2 restos, mais au final, on hésite. Et puis, en entendant, et comme il est tôt, on décide de se balader un petit peu pour aller boire un verre. À la base, on devait même aller ici, c'est très joli, mais ça avait toujours pas ouvert, donc on continue notre chemin. On s'est finalement arrêté ici, la déco était super sympa, c'est un bar qui fait beaucoup de bières spécialisées, c'était sympa, nous on a pris des cocktails sans alcool. On est parti de ce bar, l'ambiance était sympa, mais malheureusement on avait réservé pour ce resto. Regardez comme c'est cosy, c'est mignon. On avait cette super place, on était trop contentes. Donc restaurant qui vient d'ouvrir il y a 3 mois, très chic mais très cher. On va pas se mentir, pour le coin, c'est le seul qui est vraiment cher. Mais par contre, voilà, on a bien vu que c'était chic, tout est fait maison. Donc bon. Et en plus, j'ai pris à la carte, je me suis fait bien plaisir. Salade de chèvre chaud, c'était très très bon, très bien assaisonné. Les collègues ont pris du camembert je sais pas quoi là. saumon avec légumes, tout était frais, tout était très très bon. Hein. J'avoue, moi j'ai bien mangé. Et après, je suis partie un petit peu vers le fond. J'avoue que l'ambiance était bizarre. Donc en fait, on ne va pas vraiment recommander pour l'ambiance.
parce que bah ils s'embrouillaient entre eux. C'était un peu particulier, je vais pas mentir. Bon, pour aller aux toilettes, j'ai un peu galéré, mais c'était beau. Et retour à la maison, le but c'est de pas galérer. Ça va, malgré les problèmes de transport, tout s'est bien déboupillé. Là, je vais prendre le train, il part à 23h43. J'ai eu un peu peur parce qu'à la dernière fois c'était chaud, mais là il y a eu des suppressions, mais ça va. Vraiment, celui-là il part. Minuit, je suis rentrée. Ça va, c'était pas si pire pour rentrer. J'ai eu de la chance. Écoutez, la soirée, elle n'était pas prévue ou je l'avais oubliée. On avait dit avec les collègues qu'on sortirait, mais moi j'avais complètement zappé. Donc ça s'est fait un peu dans l'imprévu. Là, je finis avec le téléphone, plus de batterie, mais il doit rester, mais à peine quelques pourcentages. J'étais moins de 10 en tout cas. Et j'avais pas prévu rien du tout. Donc heureusement, ça a tenu. Le bar où on a pris un petit cocktail, c'était vraiment sympa avec la musique et tout. Bon, on est arrivé trop tôt, donc eux, ils ont fait deux chansons pour s'échauffer, préparer le micro et tout. Ils ont mangé, donc nous, on n'a pas pu suivre ce qui se passait après. Après, on a été dans ce resto super joli, mais alors c'était assez lunaire. C'est une ambiance assez particulière. Donc, on a kiffé la déco, c'était très beau. On a quand même bien mangé, très cher, mais c'était très lunaire. L'ambiance était bizarre, ils se sont embrouillés entre eux, les gens, on n'a pas tout suivi, c'était bizarre. Mais du coup, on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.